méditons un instant sur la création d'Allah. Mon frère, ma soeur, imagine que vous vous retrouvez face à un tableau magnifique. Tu t'arrêteras sûrement devant celui-ci, tu l'observeras, tu demanderas qui est-ce qui l'a dessiné. C'est sûr et certain, tu vas te dire qui est-ce qui l'a dessiné, ce magnifique tableau, et tu t'en souviendras longtemps. S'il en est ainsi des tableaux qu'ont dessinés les êtres humains, qu'en est-il des magnifiques tableaux qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créés et qu'il a disposés partout autour de nous? Pourquoi ne pas s'arrêter et méditer sur ces impressionnants tableaux qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créés? Sachez mes frères et sœurs, qu'à tout moment où vous observerez la création d'Allah et que vous méditerez dessus, vous vous rendrez compte qu'à chaque fois, vous vous retrouvez face à une chose d'une splendeur inouïe. On se doit de méditer sur tout détail qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé. À chaque fois que le soleil se lève ou se couche, à chaque fois qu'on voit la lune, à chaque fois que la pluie tombe, à chaque fois qu'on voit les nuages, à chaque fois qu'on se retrouve face à un beau paysage tel que les montagnes, la mer, la verdure, etc., il faut s'arrêter face à cela et méditer. Et méditer. Regardons chaque détail du corps humain, nos mains, nos poils, nos yeux, etc. Et méditons. Chaque plante, chaque oiseau, chaque papillon, chaque feuille d'arbre, méditons. On ne doit pas négliger cette grande adoration qu'est la méditation. À chaque fois que l'on observe une invention, on peut reconnaître les qualités de son auteur à travers les détails de cette invention. Par exemple, l'inventeur de l'ordinateur était sûrement quelqu'un de très intelligent. Les constructeurs des pyramides étaient sûrement des gens forts. L'auteur d'un joli tableau est sûrement un artiste très doué, etc. Qu'en est-il du créateur de cet univers? La première chose sur laquelle on doit méditer est la création de cet univers parfait par Allah tabaraka ta'ala qui l'a créé à partir du néant. Allah tabaraka ta'ala a dit dans Sourate Al-Baqarah, et médite un petit peu sur ce verset. Allah azza wa jalla a dit dans Sourate Al-Baqarah, sourate 2, verset 117, Badi'u samawati wal-ard. Badi'u samawati wal-ard, qui signifie, il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. À partir du néant, Allah Azza wa Jal est le seul capable de créer à partir du néant. Il dit à la chose soit et elle devient. Soit et elle devient. Cela signifie que les cieux et la terre sont des chefs-d'œuvre qu'Allah tabaraka ta'ala a créés. Regardez, subhanallah. Médite un peu sur cet univers. Regarde un petit peu. La lune tourne autour d'elle-même et tourne autour de la terre. La terre tourne elle aussi autour d'elle-même et tourne autour du soleil avec la lune. Toutes les autres planètes tournent autour du soleil et tournent aussi autour d'elles-mêmes. Et leurs satellites, eux aussi, tournent autour d'eux-mêmes. Et tout ce système solaire, comprenant le soleil, la Terre, la Lune, les planètes, les satellites, les étoiles, etc., tout cela appartient à notre galaxie qui est la Voie lactée. Subhanallah, c'est quoi cette perfection? C'est quoi cette perfection? La méditation sur la création d'Allah, tabaraka ta'ala, va donc nous aider à laver nos cœurs. Si tu observes la mer, par exemple, combien de gouttes d'eau y a-t-il dans ces mers et ces océans? Comment cela se fait-il qu'il y a certaines mers qui ne se mélangent pas alors qu'elles se rencontrent, comme dans le détroit Gibraltar? Comment cela se fait-il qu'elles ne se mélangent pas? Et pourquoi l'eau salée de cette mer qui s'évapore, puis qui se transforme en nuage et nous parvient, n'est-elle plus salée? L'eau de la pluie, subhanallah, ça part d'une eau salée, et ensuite, c'est de l'eau qui n'est plus salée. D'autre part, saviez-vous que si ces mers étaient stagnantes, elles auraient pourri? Tout cela prouve une chose, c'est qu'Allah Azza wa Jal a tout organisé à la perfection. Et puis dans la mer, regardez la variété et l'énorme nombre de créatures sous-marines. Médite un petit peu sur les poissons. Regarde, subhanallah, leur couleur. Regarde un petit peu comment ils sont, leur taille, leurs yeux, leur mode de vie. Regarde tous ces poissons, subhanallah, ils sont tous nourris. Tous, ils mangent à leur faim. Médite, médite, médite sur les montagnes, le soleil, les animaux. L'essentiel est de méditer sur la création d'Allah tabaraka ta'ala. Abu Sulaiman, rahimahullah, a dit, habituez vos yeux aux larmes et vos cœurs à la méditation. Habituez vos yeux aux larmes et vos cœurs à la méditation. Mes frères et sœurs, je sais que cette adoration était ignorée par un grand nombre parmi nous. Faisons-la revivre afin d'améliorer notre relation avec Allah tabaraka ta'ala. Et je termine en demandant à Allah Azza wa Jal de faire de nous des pieux qui réfléchissent et qui méditent sur la création d'Allah Azza wa Jal. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.